Bonsoir à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat-revente vraiment dans les techniques. Ce soir, on va parler de la technique des entraîneurs. De toutes les techniques que je vous ai montrées depuis une semaine, hein, si on revient sur la technique avion, la technique des latéraux, on va dire que celle-là encore, hein, malheureusement, ceux qui sont dans les gros budgets, ça va un peu les décevoir, mais c'est pour les petits budgets et c'est vraiment, on va dire, la plus rémunératrice. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment la plus rémunératrice. C'est vraiment très simple. Les entraîneurs, à l'heure actuelle, hein, tous, hein, on s'en fout un peu du club, etc. Hein, j'ai fait pas mal sur pas mal. Il coûte à peu près dans les entre 900 et en fonction du très gros entraîneur, hein, c'est jusqu'à 3000-3500. Donc il suffit juste de se mettre à 1100 là. Et vous allez chercher les entraîneurs or et rares et vous allez regarder. Au bout d'un moment, vous allez connaître les prix. Donc on va passer comme ça. Donc 1000, pas très intéressant, mais voyez que à 400, donc là on va enchérir. Normalement, on n'enchérit pas, hein, vous savez ce que je vous ai dit, hein. Là, vous mettez juste normalement vous l'ajoutez aux objectifs transfert. Là, c'est juste parce que je fais la vidéo, mais vous rajoutez un objectif transfert et au dernier moment, vous mettez 400 et vous allez le remporter très facilement. Villas-Boas, on l'achète, pas de problème. Si on regarde à mon avis les autres Villas-Boas, il n'y en a aucun à ce prix-là, il y en a un à 750, mais il n'y en a que un seul. Sinon, c'est dans les 1000. Donc même celui à 750, hop, on achète aussi. On se fait pas chier, ça va partir comme des petits pains. Voilà, c'est 750, évidemment, on va pas faire un énorme bénéfice non plus, mais on va le mettre à 1200. Ça sert à rien non plus, hop. On peut le mettre sur 3 jours, on s'en moque, ça va partir. Voilà, tout simplement parce que les joueurs vont chercher, ils vont pas attendre forcément la fin pour essayer de chercher ce joueur-là. Donc là, 600, pareil, on va le mettre à 1200 et ça va partir quand même petit peu. Et ça va permettre de doubler quand même le prix sur un entraîneur. Ça commence déjà à être sympa de pouvoir doubler le prix. Et vous voyez, en plus, il n'y a même pas de concurrence. C'est-à-dire que là, j'ai mis à 1100, je passe les pages, ça fait déjà 30 minutes que c'est passé et il n'y a pas de concurrence. 950, c'est trop haut, on va pas faire assez de marge. 550, évidemment qu'on achète, on le mettra tout à l'heure. 1100, c'est trop cher. 1100, 1100, 700, ah, il a pas de contrat donc on va pas acheter non plus. Oyson, c'est trop cher, trop cher. Mon fils, 950, c'est trop cher. Ça aussi, c'est un peu trop cher. Bon, là il y en a plein, on va juste passer comme ça. Bon, non, il n'y en a pas d'intéressant. Juste avant que je commence la vidéo, il y avait un Deschamps à 650. Je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit, je vais le faire pendant la vidéo. Bon, il est déjà parti, malheureusement. J'ai pas de chance. Hein, parce que ça part plutôt haut. Rudy Garcia. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Rudy Garcia. On achète. Hein, ils se vendent plus cher que ça. Il n'y en a qu'une seule. Hein, c'est vraiment un des entraîneurs qui est recherché. Parce qu'en Serie A, il n'y en a pas tant que ça non plus. Toc, toc, toc. On cherche, hein. Vous voyez, c'est vraiment, mais c'est d'une simplicité. Je peux rien vous dire de plus, vraiment. En plus, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc souvent les joueurs, les entraîneurs, comme ça, on peut les chercher sans problème. Brian, on peut l'acheter aussi, 750. Hein. Tout ce qui est au-dessous de 800, vous achetez et vous remettez entre 1000 et 1200, et ça part comme des petits pains. Hop, 1100 un peu cher, 1000. Et après, ça, vous faites un premier tour, et 800, c'est. Oh. J'en ai déjà un. J'aime pas quand il y en a plusieurs. C'est bien quand vous en avez un. Hop, ben voilà, on va pouvoir les mettre sans problème. Donc Verbra, pareil, on va le mettre à 1002. Et il se vendra sans problème non plus. Faut juste des fois un peu de temps, mais vu qu'on les met en 3 jours comme ça va passer tout seul. Rudy Garcia, on l'a acheté 1100, mais c'est plus proche des 3000 qu'il faut le mettre. Hein. Alors l'autre qu'il a mis à 5000, c'est un peu cher, mais 3005, il va partir. Vous voyez, 1100, 3005, ça commence déjà à faire des bonnes marges. Brian Rodgers, on va le mettre un peu plus cher, on va le mettre à 1000, 3004. Il y a ma femme qui essaye de se cacher, mais c'est pas suffisant. Hein. Il faut se baisser plus, hein, ramper peut-être. Hop. Donc vraiment très simple. En plus de ça, je vous conseille de vraiment regarder les joueurs qui vont se finir aux enchères. Donc là, quand vous avez fait ça, hop, vous venez ici, vous mettez pareil en prix max à 650 et vous allez pouvoir n'importe quoi, c'est encore pire, oui je crois. Et là pareil, vous enchérissez sur les joueurs
et vous allez pouvoir trouver donc 650. Là, vous enchérissez sur tout, ça, pensez bien à mettre. 300, ça se revend entre 1000 et 1005. Voilà, vous avez l'opportunité de faire beaucoup de joueurs. Vraiment, concentrez-vous sur les entraîneurs. En plus, là, avec l'arrivée des TOTS, souvent, les joueurs ne les revendent pas, les gardent dans leur club, les entraîneurs. Et donc, au final, ce qui est rare, est cher. Et donc, forcément, le prix va augmenter. Et même pendant la TOTS, où il y a les joueurs qui vont ouvrir pas mal de packs, au final, le prix des entraîneurs est plutôt stable et vous allez pouvoir gagner pas mal de crédits. Et surtout à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont mettre des entraîneurs à des prix défiant toute concurrence, soit pour pouvoir les revendre en premier parce qu'ils vont avoir envie d'ouvrir des packs, soit parce qu'ils viennent de l'avoir dans un pack et ils connaissent pas forcément le prix et ils vont mettre ça un peu à la va-vite. Et au final, c'est vous qui allez gagner pas mal de crédits. Donc si vous avez pas mal de crédits, je considère que, on va dire, que entre les latéraux et cette technique-là sur les entraîneurs, c'est vraiment les entraîneurs qu'il faut primer parce que c'est celle-là qui va vous ramener un maximum de crédit. C'est important d'avoir la liste des transferts à 100, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous ne l'avez pas la liste de transferts à 100, qu'il y en ait un de notre communauté qui vous la donne. Sur PC, je ne l'ai pas, c'est quelqu'un qui me l'a donné, donc n'hésitez pas à demander sur PC, Xbox, Xbox One, etc. Et il y aura forcément quelqu'un de notre communauté, hein, il y en a plein qui peuvent attester, qui vous la donneront avec grand plaisir, ça coûte rien. Et surtout, je ne veux pas voir dans les commentaires compte 15 000, compte 20 000 crédits, ça on ne fait pas ici. Ici, on donne gratuitement sur tout ce qui est gratuit. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que cette technique vous aura plu. C'était Robert 87 000. Ciao les gars.